Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sexte en grand large a conclu l'exercice 2017 sur une note positive, puisqu'au cours du trimestre, il a fini en hausse face à un indice de référence en baisse. Ça, c'est pour le bilan du dernier trimestre. Il est bon, on l'a dit. Mais quel bilan dressez-vous pour l'ensemble de l'année? Alors, sur l'ensemble de 2017, Grand Large a fini en hausse de 3,9% face à un indice à 5,6%. C'est lié essentiellement à l'exposition moyenne aux actions qui était de 30% contre 50% pour l'indice de référence. Et ça se traduit évidemment par une volatilité beaucoup plus faible, de 2,7 contre 5,1 pour l'indice. Si on regarde à plus longue période, donc sur 5 ans, on est sur une performance annualisée d'un peu plus de 11%. Alors vous étiez prudent en 2017, hein, avec une exposition moyenne, vous l'avez dit, de 30%. En ce début d'année, vous le restez ? Alors, oui, pour nous, vous le savez, Grand Large, on n'a pas d'approche macroéconomique, pas d'approche boursière. Donc on a cette approche paysanne où plus les marchés sont chers, plus on va s'alléger. Aujourd'hui, en plus, ce qu'on peut noter, c'est que le sentiment est plutôt optimiste, voire euphorique. On a battu des records d'optimisme tant chez les investisseurs individuels que chez les investisseurs professionnels. Donc aujourd'hui, l'exposition nette aux actions est même encore plus faible. On est à 24% d'exposition cible dans notre modèle quantitatif et c'est l'exposition du fonds aujourd'hui. Pour vous, donc, les marchés sont chers? Alors, les marchés sont chers, on voit ça. Marchés actions, hein. Les marchés actions, tout à fait. Les marchés obligations sont encore plus chers. Et on observe ça aussi dans d'autres classes d'actifs. Il y a la bulle sur le Bitcoin qui est en train peut-être de se dégonfler. Il y a aussi le non-coté qui donne aussi une bonne mesure de risque. Et aujourd'hui, on voit que dans le non-coté, les niveaux de valorisation, les niveaux d'endettement, les niveaux d'agressivité contractuelle sont à des extrêmes. Parlons justement des valeurs qui composent le fonds et notamment des principaux contributeurs à la performance de 2017. Alors, ils sont extrêmement divers par la taille, le métier ou la géographie. Donc, vous avez Baidu, une société internet chinoise, Shiseido, des cosmétiques au Japon, Motoroil, un raffineur en Grèce, EasyJet, une compagnie aérienne en Angleterre. Ça, ce sont des contributeurs positifs? Voilà, ce sont les principaux contributeurs positifs. Côté négatif, il faut aussi citer Criteo, qui est le principal contributeur négatif. C'est une société de grande qualité, mais ils ont été affectés par le fait qu'Apple a banni le reciblage publicitaire au sein de son navigateur Safari, ce qui leur a enlevé 20% de leur activité du jour au lendemain. Donc c'est un choc fort. Néanmoins, la société continue à très bien exécuter sur son cœur de métier. Et donc on espère qu'elle aura en 2018 le même sort que Bolloré, qui avait été le principal contributeur négatif de 2016 et qui a contribué très positivement en 2017. Vous avez réalisé un investissement au Japon récemment? Tout à fait. Alors c'est une tendance longue parce que la pondération du Japon augmente régulièrement dans Sexte en grand large. C'est là où on trouve aujourd'hui beaucoup d'idées intéressantes et la société qu'on vient d'acheter qui s'appelle Ezaki Glico est assez exemplaire de beaucoup d'autres sociétés japonaises. Vous avez une société qui fabrique des biscuits et des glaces. Biscuits en France, la licence s'appelle Mikado, vous connaissez peut-être. Et c'est une société typique parce que elle est en train de travailler sur ses marges. Les marges sont passées déjà de 0 à 6% en quelques années. Dans le secteur, les marges sont en général bien supérieures à 10%. Et c'est une société qui, de façon aussi typique, avait peu investi à l'international. Ils ont des très bons produits différenciants. Ils sont en train de réussir en Chine, de réussir aux États-Unis, de se développer en Asie du Sud-Est. Et c'est un simple effet de rattrapage par rapport à des marques qui ont adressé les marchés internationaux depuis beaucoup plus longtemps. Et la valorisation, elle est inférieure à la moyenne du secteur. Donc, on a commencé à investir dans ce secteur en large. Donc, une de vos convictions de ce début 2018. Côté obligations, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur en grand large? Donc, côté obligations, vous l'avez compris, on essaie d'éviter les risques macroéconomiques, le risque de taux. On n'a pas de scénario sur la courbe des taux. Donc, on a aujourd'hui 12% d'obligations dans le secteur en grand large, avec un rendement moyen de 3,2% net de change et une sensibilité taux de 2%, donc très faible. Nous, ce qu'on est prêt à prendre comme risque dans cette poche, c'est un risque de crédit, parce qu'on est capable d'analyser la capacité à rembourser des entreprises. Et donc, aujourd'hui, on a encore 12% du fonds, mais avec un risque de taux très faible. J'ai une petite question pour vous, Louis, parce que vous nous avez dit que vous abordiez les marchés avec
sorte de bon sens paysan qui veut que, en effet, vous preniez vos bénéfices à mesure que les valorisations se tendent. Très bien. Mais comment vous allez faire avec 50% de liquidités et assimilés pour générer de la perf? Alors effectivement, en étant prudent sur les actions, très prudent sur les obligations, en réduisant la partie couverte, on a aujourd'hui un peu plus de 50% de trésorerie dans le fonds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas structurel, évidemment. Le but, c'est d'être extrêmement réactif dès que des risques vont se matérialiser ou que des craintes vont survenir. Si vous prenez l'exemple du Brexit, on a réinvesti 10% du fonds en 3 jours. Et ça nous a permis de saisir des opportunités assez exceptionnelles sur des valeurs anglaises. Donc, il y a toujours des cycles économiques. Il va toujours y avoir aussi des chocs et des surprises. Et donc, c'est pour être capable de les saisir qu'on a aujourd'hui cette position de trésorerie qui est importante et qui reflète aujourd'hui des niveaux de valorisation et d'optimisme, comme on l'a dit, qui sont très élevés. Louis, merci. Merci, Vincent.